Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, vous l'avez vu au titre à la miniature et vous savez à quel point j'apprécie ce genre de contenu. Aujourd'hui on s'ouvre cette petite boîte, la cour du roi. Alors le contenu a été divulgué sur internet il y a quelques temps, on retrouve des cartes incroyables, du support pour chevalier de la reine, chevalier du roi, etc. C'est des cartes emblématiques, c'est des cartes de Yugi, avec franchement l'artwork juste ici là, il est juste magnifique. J'espère vraiment dropper cette carte là parce qu'elle est vraiment juste super belle. C'est un set de 62 cartes avec des collecteurs rares comme on a l'habitude de le voir sur les extensions secondaires. Et il y a beaucoup de cartes super sympas. On a des reprints qui sont forts comme Lightning Storm ou encore World Legacy Guardragon. Alors je me rends pas compte si Guardragon sera toujours aussi joué, mais c'est une carte qui était relativement onéreuse parce qu'elle était jouée dans des links. Et le fait d'avoir un reprint en plus de celui en MP20, et c'est toujours une super nouvelle. Merci à Konami évidemment de me permettre de faire ce genre de contenu, c'est vraiment super cool de leur part et je vous embête pas plus. Si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement et c'est parti, on va se craquer cette petite display et c'est 24 boosters, let's go. Ok, let's go pour cette ouverture. J'avoue que j'avais rien sous la main, donc ça sera une ouverture avec une règle, hein, clairement. L'important c'est juste de réussir à l'ouvrir correctement et à choper les boosters qui sont à l'intérieur. Je galère avec l'emballage, c'est incroyable. Tac. On récupère notre petite display et les artworks. Vous savez que je suis fan de Sagi le Bouffon des Ténèbres. Et là on est clairement. Oh là là, mais ces artworks. Regardez ça, comment ils sont beaux. Là, celui-là là, j'espère vraiment l'avoir. Il est vraiment très très beau. Même eux là. Bah. Bon, on se commence cette petite ouverture. Alors, à votre avis, collecteur rare, pas collecteur rare, je ne sais pas. On a un petit Ptolémy, là, j'ai toujours du mal. Fusion radiésique. Un peu de dualité en rare, ok. Idole aux yeux d'or. Chevalier du Valais. Ces artworks qui sont vraiment très cool. C'est vieux, mais c'est toujours aussi cool. Chevalier de la Reine. Et derrière, j'en parlais tout à l'heure, le petit World Legacy, Guardragon. Chevalier, roi, reine, valet, c'est toujours stylé. C'est vrai qu'on avait eu Alakan dans les TN18, quelque chose comme ça. C'était une carte promo, il me semble. C'était une très très bonne carte. Baxia, du Yongzing. Chevalier de la reine. Deadrot, le démon de l'enfer. ZW, bouclier ultime. On a eu beaucoup de support dans les dernières extensions, donc c'est plutôt une bonne chose. Cette eau du ciel qui est un petit upgrade de rareté. C'est une rare. Et derrière, on a Hyper Canon XYZ. Qui est une carte de support pour Canon Dragon et compagnie, les cartes initialement de Kaiba. On continue avec Lien Éternel, ZW, Armée de Léo. Arsenal, très bonne carte. Arsenal, Zeimoth, Automate, Avatar, Démon de l'Enfer. Baxia à nouveau, Transfert, Pendule, et derrière, on a Hyper Galactique. Ok, c'est du support pour les cartes Photons. On continue avec Renfort de l'armée qui est toujours une bonne staple, donc ça fait toujours plaisir de l'avoir. Poussière d'étoiles, Lien éternel, Nu F0, Futur Utopie, c'est une commune je crois dans LED quelque chose. Non, pas LED, le deck où on avait eu des magiciens. Baxia, pas le deck, l'extension, une extension pas principale en plus. Éclat du Yongzing, Vœux de Convergence et derrière... Induction magnétique, support pour les cartes magnétiques, donc encore une fois du support pour les cartes de Yugi. Alors ZW, porteur de tornade, Arsenal Zeimoth Automate, Chevalier du Roi, on l'avait pas encore eu, c'est vrai qu'il est vraiment très beau le Chevalier du Roi. On continue avec Die Imprévu qui est un excellent reprint, ça se paye un normal du deck, c'est pas une fois par tour, c'est vraiment très intéressant, ça peut start quand même pas mal le deck un peu rogue entre guillemets. Lien des camarades, le démon de l'enfer à nouveau et cloître des roses blanches. Donc c'est encore du support pour le dragon rose. J'aime beaucoup le deck. En plus de ça, il peut être joué avec des links éventuellement. Donc j'aime beaucoup l'idée d'avoir cette carte-là. Je viens de la faire tomber. J'aimerais bien en choper un playset. C'est le premier objectif de cette vidéo. Un playset de cloître des roses blanches. Alors, le renfort de l'armée à nouveau, chevalier de la reine, Zolga le prophète. Vraiment très beau. Guerrier réincarné qui est une carte qui est malheureusement pas très jouée mais qui est toujours intéressant. C'est une rivalité seigneur de guerre, je savais même pas que c'était reprint à l'intérieur. C'est un bon reprint, hein. Clairement. C'est une carte qui est relativement forte, qui peut être jouée dans la méta, donc clairement c'est une carte qui va être de plus en plus accessible. Ptolémy aussi j'en ai pas parlé, mais c'est une carte qui est jouée par exemple dans Dantascape, donc c'est une bonne chose qu'elle soit reprint, parce qu'elle était que en secret et gold secret, quelque chose comme ça. Donc plutôt bonne chose. Et invocation à la vitesse de l'éclair. Ça c'est du support pour Chevalier de la Reine, du Roi et du Valet. C'est une magie rapide en plus, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, attendez, j'ai pas lu l'effet en vrai. Durant la main phase de la battle phase, immédiatement entre la résolution, invoquez spécialement un monstre de niveau 10, et si vous le coûtez. Ok, mon ténèbre donne. Ok, ça doit être
pour spé de la main. Je pense qu'il va y avoir des boss monsters du deck qui sont level 10 et qui se permettent d'être spé de la main. Alakan, l'Arlequin. Alakan, le Chevalier Arlequin. Zolga, le Prophète. Le Démon de l'Enfer à nouveau. La Pince of Terre, excellent reprint également. Donc, franchement, ça fait plaisir. Idole aux yeux d'or. Et derrière, on a du support ferraille. Alors, c'est un reprint de support ferraille. Mais c'est une carte qui était quand même assez difficile à trouver, même si elle valait pas une fortune. Donc, c'est toujours assez sympa. Alors, lien éternel, Utopie numéro 39, qui permet des OTK. Eraser, le démon de l'enfer. Dragon majestueux, bonne reprint également. C'est une commune qui valait assez cher avant, donc bonne chose. Fusion radiestique. Chevalier réincarné. Et hypergalactique que l'on avait déjà eu. Bon alors, va-t-on faire tomber ces cartes intéressantes? Le C39 rayon utopique est magnifique en ultimate, puisqu'il est un print en ultimate, et en ghost aussi peut-être bien. Pendulixis, ZW porteur de tornade, vœu de convergence. Franchement, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les artworks de ces cartes-là, c'est assez vieux comme carte, et c'est vraiment très joli. ZW arme de Léo, et adduction magnétique à nouveau. On enchaîne avec le petit Day imprévu, le C39, le transfert pendule, rivalité, c'est cool, à nouveau, espion du protecteur du tombeau, alors je sais pas trop pourquoi ils ont repris ça dans cette extension-là, mais pourquoi pas, chevalier du valet, et derrière on a notre première ultra rare, cette carte elle dit, défaussez une carte, invoquez spécialement un chevalier de la reine depuis votre deck, ajoutez un chevalier du roi ou chevalier de la reine depuis votre deck à votre main, ok, c'est super fort, puis il est maintenant... Ok, donc en gros, tu défausses un, tu spé un chevalier de la reine depuis ton deck, ajouter un chevalier du roi ou du valet depuis ton deck à ta main, et immédiatement après la résolution, tu peux normal. Donc ça veut dire que tu peux normal ce que tu viens de tuto. Pour invoquer normalement un vous pouvez pas invoquer spécialement de monstre lumière, guerrier exclu, depuis votre exilade le reste de ce tour. Durant la phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre lumière, guerrier dans votre cimetière, mélangez-le dans le deck, et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Oh, c'est super fort! Ça fait du recyclage et tout, franchement, c'est super intéressant. Tac, on va se la mettre ici, c'est notre première ultra rare. Je sais pas, de là à dire que ça rendra le deck méta, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est intéressant, peut-être qu'il y aura des loupes intéressantes à trouver avec les guerriers lumière, du coup. Zolga, le prophète, lien éternel, guerrier réincarné, lien des camarades, chevalier du roi et canon, hyper canon, X, Y et Z. On enchaîne. J'espère vraiment avoir ce gros harlequin, là. Il est vraiment trop trop beau. Eraser, le dragon de l'enfer, ZW, arme de Léo, renfort de l'armée, espion du protecteur du tombeau, avatar du démon de l'enfer, vœu de convergence, pardon, et remplacement du harlequin. Il est vraiment... Ça se dit du harlequin, d'ailleurs, parce que j'ai remarqué ça aussi, là, ce harlequin est incroyable. C'est pas cet harlequin, et là, c'est pas remplacement de l'harlequin. C'est un peu bizarre, mais en tout cas, l'artwork est incroyable. Ouais, je viens de me spoil l'ultra en la faisant sortir, donc c'est une ultra qui est juste ici. Du coup, je vais vous passer rapidement les cartes que l'on a drop. C'est que des cartes que l'on avait globalement déjà vues. Alors, on enchaîne là. On a eu une seule ultra rare pour l'instant. Dragon majestueux, ZW Serre d'Aigle. On l'avait pas encore eu, Serre d'Aigle, c'est marrant, genre pouf, souffle et compagnie. Bref, Pendulixis, Idole et les yeux d'or, Avatar du démon de l'enfer, Rivalité, on a de playset. Et ah, Shaofeng qui est reprint également. Très bon reprint de Shaofeng, qui est une carte, encore une fois, qui est jouée dans Datascape. J'ai l'impression que c'est un peu du reprint spécial Datascape, ce booster. Hein. Parce que ça aussi, c'est une carte qui est déjà dans Datascape. Château dans le ciel, transfert pendule, lien des camarades, utopie, Xelong, poussière d'étoiles, carte illimitée qu'on n'avait pas encore eue. Et derrière, on a Princesse de la Rose, qui est très belle, qui a encore du support pour les roses. Si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement, donc c'est un cyber dragon, clairement. Si elle est invoquée de cette façon, traitez cette carte comme un synthoniseur. Ok, c'est intéressant. Vous pouvez invoquer spécialement qu'une fois par tour, vous pouvez défausser cette carte, ajouter cloître. Ah, c'est très intéressant, hein. Ça tuto le cloître. Ça veut dire que c'est pas une carte morte, tu peux la spé, ça te mange pas ta normale. Et du support plante, ben, on en parlait avec Greg dans la vidéo sur la banlist, mais clairement c'est du support qui est manquant, donc c'est une bonne chose. Lapin Sauveteur, F0 Utopique, peau de dualité. ZW, bouclier ultime, vœu de convergence, ZW, arme de Léo, et derrière, on a à nouveau hyper canon XYZ. Alors, numéro 39, Utopie, Alakan extra Arlequin, Alakan le chevalier Arlequin. Carte illimitée, Pendulixis, Day imprévu, et oh là là, je suis tellement content de l'avoir fait tomber. Je l'ai dit, je suis tellement content, putain. Regardez-moi ce flow.
Ce flot. On va lire les faits. Vous pouvez envoyer un chevalier de la reine, chevalier du roi ou chevalier du valet depuis votre deck au cimetière invoquer le nom de cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, le nom de cette carte devient le nom du monstre envoyé jusqu'à la end phase. Durant la end phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre lumière gardé dans votre cimetière, mélangez-le dans le deck et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Donc en fait, elle et elle, elles ont globalement les mêmes effets et en fait, ça fait des spé gratos. Il a quand même 2000 et dans tous les cas, quoi qu'il en soit, il y a son artwork est incroyable. Je suis très content de l'avoir fait tomber. C'était vraiment le métacall. Genre, je voulais cette carte-là. Elle est tombée. Bah, vous savez quoi? Je suis très content. Ça suffit. Je suis content. Serre d'aigle. Pas faire de blagues sur les autres écoles d'Harry Potter, mais bon, voilà. Arsenal, automate, château dans le ciel, chevalier du valet, DM prévu, pendule. Et derrière, on a à nouveau le petit ferraille. Bon, par contre, on a eu que deux ultras. On n'a pas vu la couleur d'un lightning storm pour l'instant. J'aimerais bien que ça tombe. À la canne, le chevalier harlequin, le démon de l'enfer, peau de dualité, carte illimitée, chevalier de l'arène, lien éternel et oh encore une ultra, et une ultra très très belle encore une fois. C'est lié aux cartes dont on parlait. Deux monstres guerriers d'attributs différents, donc c'est-à-dire que c'est très simple à invoquer. Une fois par tour, lorsque cette carte ou un effet qui cible cette carte est activé, effet rapide, vous pouvez annuler l'effet. Et si vous le faites, détruisez une carte sur le terrain. Ah, c'est fort, ça détruit pas forcément la carte qui a été activée, donc ça c'est fort. Cette carte a été. Bon, après c'est ciblé, c'est un peu moins fort. Cette carte a été invoquée en fusion uniquement en étant sur le terrain comme matériel, elle peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Ok, c'est sympa. Cette carte combat un monstre de l'adversaire durant le calcul de dommage, vous pouvez bannir une magie de votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Cette carte gagne laquelle. Waouh, c'est fort, ça veut dire qu'elle passe à 3007, 3007, 4003. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Franchement, on aura touché du bon support, j'ai l'impression. Alors, on enchaîne. Arsenal automate, fusion, avatar du monde de l'enfer, F0, serre d'aigle, chevalier du roi et fille de cristal qu'on n'avait pas encore eu. Alors, fille de cristal, c'est quoi? C'est cette montre que normalement on pouvait activer durant un. Ah, c'est intéressant. Tu peux la normale à la end phase, tu vas tuto un haut de minimum 5 depuis ton deck. Si vous contrôlez un monstre haut de minimum niveau 5 et cette carte dans votre cimetière, invoquez spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Ça peut être intéressant. C'est dommage parce que si c'était un tuner, elle serait vraiment très intéressante. Dans le cas, c'est pas un tuner, donc ça enlève un petit peu son intérêt. Mais pourquoi pas. Alors, le guerrier réincarné. Automate, Plotlemi, Baxia, Alakan, renfort de l'armée, et ah, on l'avait pas encore eu, du trait d'angle. Je pensais pas que ce deck aurait du support un jour. Et ben, il a du support, donc enjoy à vous, les joueurs trait d'angle. On enchaîne avec Alakan, Xiolong, Porteur de Tornade, C39, Future Utopie, Plotlemi, et un deuxième Draga. Ça, c'est une bonne chose. On arrive sur la fin des boosters, mine de rien. On aura eu 3 ultras pour l'instant. Alors, démon de l'enfer, lien éternel, idole aux yeux d'or, Baxia, C39, Utopie, ZW, porteur de tornade et induction magnétique. Et on termine du coup cette ouverture avec un dernier booster. Tac, donc s'il y a une ultra, elle est normalement dans ce booster-là, mais je pense qu'on a eu notre ratio globalement. Zolga, le prophète, chevalier de la reine, Xiolong, poussière d'étoiles, chevalier du roi, la part sauveteur. Encore une fois, je suis content que cette carte soit dans son booster-là, parce que c'est une carte qui peut être utile dans plein de decks, mine de rien. Des trucs un peu plus fun, hein, certes, mais c'est quand même intéressant. Chevalier du valet, et on a à nouveau du tridangle. Franchement, bon alors là, on a dans les supers, on a des cartes plutôt intéressantes, on va dire. Moi, je suis content que ça soit reprint. Je suis content d'avoir ce support là, je suis content d'avoir cette carte là qui a un artwork incroyable et plus globalement voilà, cette carte là elle est très forte, je trouve que ces artworks là les decks photons sont toujours très intéressants donc ça peut être intéressant. Et puis on a surtout eu bon alors les deux autres là, je suis d'accord, elles sont incroyables, mais alors celle-ci les gars, mais cet artwork là, oh, il est vraiment vraiment super beau. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'étais vraiment très content d'ouvrir cette display avec vous. C'est toujours un kiff de découvrir un petit peu les cartes. Alors oui, sur cette extension-là, les cartes étaient déjà disponibles sur Internet. Mais c'est cool de voir un petit peu bah, tous ensemble, avant la sortie, les cartes qui vont sortir, les nouveaux artoirs, etc. Et moi, c'est vraiment du contenu que j'apprécie faire à chaque fois. Et voilà, merci à Konami et puis merci à vous de mater cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement, bien évidemment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous savez que je réponds à tout le monde. Donc si jamais vous avez des avis sur telle ou telle carte, peut-être certains effets que j'ai mal lu ou j'en sais rien, et ben mal compris peut-être tout simplement. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous répondrai tout simplement. Prenez soin de vous, faites nombreux duels et collection de cartes. Et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!